Henri VI, né en 1221, devient roi d'Angleterre à la mort de son père en 1422. Il est alors âgé d'un an. Une régence est alors mise en place. Selon le traité de Troyes, Henri VI était désormais le roi de France et d'Angleterre. Cependant, le dauphin Charles ne l'entendait pas de cette oreille et se proclame roi de France à Bourges. Il sera surnommé le petit roi de Bourges. La guerre entre Français et Anglais reprend de plus belle. Les Anglais vont remporter d'importantes victoires, puis décident de faire le siège d'Orléans en 1428. S'ils réussissent à prendre Orléans, ils auront les portes grandes ouvertes vers le sud. Cependant, en 1429, Jeanne d'Arc, accompagnée des armées royales, commandées notamment par Dunois, va libérer Orléans. Puis Jeanne d'Arc fera une percée jusqu'à Reims pour faire couronner le roi Charles VII. Aux yeux des Français de la chrétienté, les prétentions d'Henri sur la France ne sont plus valables. Néanmoins, les combats se poursuivent. En 1430, les Bourguignons font le siège de Compiègne. Jeanne d'Arc emmène alors une troupe pour les libérer, mais échoue. Elle est même capturée par les Bourguignons. Ces derniers vont la livrer aux Anglais et elle sera brûlée sur un bûcher à Rouen le 30 mai 1431. L'objectif des Anglais était de discréditer Charles VII. Si Jeanne d'Arc était une hérétique, alors sa légitimité aurait été entachée. Le 16 décembre 1431, le jeune Henri V est couronné à Notre-Dame, roi de France. Néanmoins, il était déjà trop tard, car Charles VII, menant désormais les troupes françaises, attaque de plus belle les armées anglaises. En 1432, le duc de Bretagne se rallie à la France. En 1436, les Anglais perdent Paris. La Normandie, quant à elle, sera perdue en 1449. En 1450, les Français reprennent Caen, Cherbourg, puis le 19 octobre 1453, Bordeaux tombe, et c'est la victoire totale pour Charles VII. Les Anglais ne possèdent plus que Calais. À cette époque, le roi d'Angleterre semble sombrer dans une sorte de folie. Il était peut-être atteint de schizophrénie. Il va se désintéresser des affaires du royaume, et c'est donc Richard d'York, son cousin, qui assurera la régence à partir de 1454. Mais la reine Marguerite d'Anjou n'accepte pas cette régence, et soutenant son fils et le camp lancastrien, elle va s'opposer aux York. C'est le début de la guerre des Deux Roses qui opposera les Lancastres aux York. La famille royale doit quitter Londres, qui est acquise au clan des York. En 1456, Henri reprend ses esprits et met fin au protectorat d'York. C'est à cette date que la guerre est vraiment déclarée. Lors de la bataille de Northampton, le 10 juillet 1460, le roi se fera capturer par les troupes d'York. Le duc d'York peut alors se faire couronner. Il se dirige donc vers le trône le 10 octobre. Mais le Parlement veut maintenir Henri comme roi. Finalement, le duc d'York décide d'accepter Henri comme roi à la condition d'être son successeur. Cependant, la reine Marguerite n'acceptait pas que son fils, Édouard de Westminster, soit déshérité par son propre père. Elle décide donc de combattre les armées. Soutenue par de nombreux barons, dont Jasper Tudor, qui avait épousé Marguerite Beaufort, une descendante d'Édouard III, décide de continuer les combats contre Richard d'York. Lors de la bataille de Wakefield, le 30 décembre 1460, Richard d'York est tué. C'est donc son fils, Édouard, qui prend le commandement des armées d'York. En 1461, les partisans d'Édouard remportent la bataille de Taunton. Et le 4 mars, Édouard se fait couronner roi d'Angleterre sous le nom d'Édouard IV. Henri VI, quant à lui, est exilé.